Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e numéro de notre défi des 28 jours. 13e capsule sonore aujourd'hui. 13e capsule pour vous parler d'une chose que j'ai remarqué, je ne sais pas pour vous, mais pour moi j'ai remarqué que le temps passait extrêmement vite et que malgré le fait de se réveiller très tôt, et on sait tous que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin, et bien malgré le fait de se réveiller très très tôt, les journées passaient à une vitesse folle. Et je me suis posé la question, je me suis dit mais est-ce qu'il en est de même pour mon entourage? Et quand j'ai posé la question à mes amis, à mes proches, à mes voisins, ou même à mes enfants, ben j'ai découvert que, en réalité, le temps pour eux aussi semblait se dérouler avec une vitesse incroyable. Et même pour mes enfants qui me faisaient remarquer cette semaine que les journées passaient à une vitesse fulgurante. Voilà. Je ne sais pas pour vous si c'est le cas, vous pouvez toujours me laisser effectivement un commentaire sur le sujet. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans une journée qui comporte 24 heures, on passe effectivement à peu près 8 heures de son temps à dormir et le reste à avoir des activités. Malgré le fait de se réveiller tôt le matin, de se coucher un peu tard le soir, eh bien, je n'arrivais pas à faire véritablement tout ce que je souhaitais, bien que la liste ne soit pas très très longue. Mais malgré tout, je remarque, et sans aucune fausse modestie, que je fais pas mal de choses, pas mal de petites choses, pas mal de petits événements qui se succèdent et qui me permettent effectivement de remplir confortablement ma journée. À commencer naturellement par enregistrer cette petite capsule vidéo chaque matin et profiter avec vous de ce petit moment que nous nous offrons mutuellement. Voilà, je vous rappelle que le principe c'est de me remettre en selle, c'est d'enregistrer à nouveau une petite capsule pour pouvoir être plus à l'aise à la radio comme à l'image et de se retrouver comme ça pendant 28 jours. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle petite capsule en espérant que le temps ralentisse un peu. Allez, ciao, ciao, à demain.